pour la prochaine année. Hein. Ah, c'est fou, là. Ouais, tant les polices sont là. Quand il fallait que j'aille à l'armée, je t'avais référé de toi. Puis lui? Ouais. Ah, c'est lui, là, que t'avais référé? Ouais. Bon, ils l'ont jamais appelé. Ils l'ont appelé, lui. Ah, pour vrai? Ouais. C'est sûr que c'est pas lui. C'est sûr qu'il a pas chié ta référence. Non, non, c'est pas pour ça qu'ils m'ont pas appelé. Moi, ils m'ont envoyé un message de l'armée. Ils m'ont dit que... Mais t'as jamais eu de nouvelles? Ouais, mais ils m'ont envoyé un message chez moi. Ils m'ont dit, à cause du, de la première pandémie, il y a eu beaucoup de retard sur les camps d'entraînement. Et si moi, j'étais choisi, mais c'est pas ça que j'étais choisi, mais il y avait comme deux camps d'entraînement avant moi. So, fallait qu'ils attendent que les reprises puissent avoir lieu. Après ça, t'avais... Fallait que finisse... Fait qu'en gros, t'étais comme genre 18 mois en temps. Ish. Un an et demi. Parce qu'il fallait que j'attende que le camp d'entraînement qui était là soit terminé. Plus ça, t'en avais un autre, puis un autre. Puis tu sais, un camp d'entraînement, c'est pas pendant un mois, là. Bro, elle est... What the hell, bro? Bro. T'es en forme, là. Ouais, là, genre... C'est ça, le camp d'entraînement, c'est long. Ben, c'est le bout où ils veulent te casser, là, qui dure genre fucking longtemps, là, qu'Alex a fait. C'est genre un mois, trois mois. Tu sais, ce truc-là qu'ils veulent te casser, là, ouais. T'es supposé, tu sais, que tes souliers sont tous shiny pis tout. Ouais. Alex, c'est au chaf. Pas plus quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait une paire de bottes. Une paire de bottes shiny. Non, mais eux, ils défoncent bon, mais puis tu peux même pas t'en aller. Je pense que c'est, pas... Je pense que c'est 3 mois. C'est 3 ou 4 mois. Ouais, mais le premier mois, tu peux pas partir. T'as pas le droit. Si tu veux t'en aller, après le premier mois, t'attends, ils te laissent pas partir. Donc, si moi, il m'avait dit, même si tu décides de pas manger pendant 2-3 semaines, tu te laisses pas partir. Ouais, ouais. T'es pogné là. C'est quand même grave, je pense. Ouais, c'est vraiment intense. Plus d'argent en construction que dans l'armée. Ouais. Tu rentres dans l'armée, là, ta première année, là, t'es payé, c'est 40 000 par année. Bro, c'est rien, 40 000 par année. Dans le jugement, là. Non, non, mais je veux dire. C'est mon salaire d'adulte, ça. Non, je sais, mais que je gagne ça aussi. Non, là, j'ai vu Nick pis Steph. Pis tu sais, Nick, c'est un gros gars de restauration très solide, mais là, c'est lui que là. Il s'est mis sur Uber Eats pis tout. Il dit avant que ça pogne, il dit il faisait 10 semaines à 7, il faisait 700 clairs. Semaine? Avec Uber Eats? Ça ne surprend pas, Là il dit à un moment donné, comme il y a eu une frénésie, il y a plein de monde qui sont inscrits comme driver. Mais il dit il y avait un horaire fait de cul. Il faisait genre 11h30 à genre 10h le soir. Ah, mais c'est toi qui choisis ton horaire. Oui. Fait qu'il choisit l'horaire, ça y tombe. Ouais. Fait que Uber, c'est ça qui est le fun, c'est que t'es ton propre boss. Tu veux travailler de 6h le matin à 1h. Attends, il y a quand même des avantages. Oui, mais il y a des désavantages dans tout. Ben, tu vois, Nico il est juste super actif. Fait qu'il j'ai dit, hein, faut que je trouve de quoi, puis il a trouvé ça. Puis c'est vrai que j'ai un champ neuf. Mon œuf que j'ai taché la semaine 1 avec ma main qui saignait. Ah, mais c'est bon, là. Moi, avoir un char, je fais Uber pour vrai. Non. Peut-être pas à temps plein, dans mes temps libres, ça. Oh, tu vas t'en dire demain? Ben, peut-être pas au début, là. Quand t'es à l'aise. Toi, t'as jamais conduit. C'est vrai. Au début, tu vas détester ça, là. Ah, au début, je vais pas trouver. T'as avoir aucun fun, là. Ah, mais il y a des places que je vais pas aller, là. Je vais pas aller centre-ville là, ma première semaine j'ai mon char. Là. T'as encore l'X? Je vais coller une balle là. Hey, attends le foot. Non, c'est intense là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est d'autres en arrière, franchi, le gars s'est retourné, il m'a vu, il a juste fait. Non. Il a commencé. Ali, t'as dit ouais pour une table, j'espère qu'ils vont voir. Mais c'est vrai que c'est fou, hein, le Grinder, pareil. Le fait que t'aies une part de garage, c'est considéré comme une terrasse. Ils ont 180 places assises. Complètement super. Ça, j'exagère, 180, ils ont genre 120. Mais en ce moment, ça doit être une des plus grosses terrasses à Montréal. Parce qu'avant, la plus grosse terrasse à Montréal, c'était le Saint-Sulpice. Là, il est fermé.
Ouais, Saint-Sulpice, ils n'ont pas survécu, hein? Non, non, mais non, mais ça fait un peu de temps. Saint-Sulpice n'a pas survécu au COVID. Bon, c'est dégueulasse. Ça roulait plus, ça fait longtemps. C'est des colissants. Mais ça, le Saint-Sulpice, c'était là. Moi, je t'arrive souvent. Oui, je travaille là. Ah oui, à chaque fois que tu me le dis, je fais le saut. Ouais, je travaille là-bas. C'était déclissant. Presque la bouffe venait de l'autre resto sur la place sur l'autre rue. Ouais, c'était mon premier job, Bud Boy, c'était là. Pour faire le changement de bouteille. Là. Et quand là, mettons, 2-3 fois par soir, changement de bouteille dans ton talkie. Là, t'avais genre 15 Bud Boy qui se pointaient avec genre plein de bouteilles à changer. Puis c'était comme toutes des burgs. Tu sais, c'était à ce bar là-bas. C'est pas Freeport, là. Ah. Là, toutes les buzzwords étaient en ligne. Fait que là, fallait que tu mettes les trucs, mettre là, les beignes. Ouais, exact. Avec le tape, ben c'était pas un tape, c'était tu mets le beurre sur la bouteille, tu mets le truc de plastique, puis tu le chauffes avec un fer, un genre ouais, de parce fer que là, il fond dessus. Exact. Puis là, il peut pas s'enlever. C'est ça. Fait que tu faisais genre toutes les buzzwords avec comme une dizaine de bouteilles à faire de même. Puis bon, moi, j'étais nouveau, là, faire un beurre, là, j'étais pas habitué, je savais pas quoi faire. Puis là, c'était l'enfer, c'était quand même payant, par contre. Ben, c'était payant. C'était payant pour une première. Ouais, ouais, c'était moins payant que le grinder, mais c'était payant pour une première job. Puis tu sais, t'avais ton cash à la fin de la soirée. Puis tu sais, je partais le soir même avec un enveloppe de 250$, j'étais quand même content. Ah, il t'avait l'air tous les jours. Ouais, c'était le soir même. Bon, fait que tu restes. Ouais. Ouais, mais tu sais, le bar fermé à 3, tant que tu fasses ton close, c'était genre 4,5. Tu recevais ton enveloppe à genre 5, 5,5. T'arrivais chez vous à 6,5, genre. Il était rendu tard quand même, là. Ouais, c'est intense. Je ne ferais pas ça aujourd'hui. Chris, non. Mais en fait, je ne travaillerai jamais dans un bar. On dit jamais, dis pas jamais, on sait pas. Un resto, ouais, mais pas un bar. Un bar, non, un bar jamais. Un bar jamais. Un bar jamais de la cause de vie. Bar club, non. Restaurant? Ouais. Supper club, non. Non, mais supper club, ça marche plus vraiment en ce moment. Là. Oh, c'est encore drôle. Mais il y en a qui marchent, mais je veux dire, c'est pas. Si tu trouves quelque chose normal. Ouais, le gars du. Tu sais, toi, tu vas connaître ça en plus. Au. Chris. Au sous-bois. Les Tsar Nike, là. C-Z-A-R. Ouais. Non, ça dirait. Ouais. Quel chien on est où, là? Quel chien on est où? Ça sent belle dans ton. Voyons, quand même, chien on est où? Là, gros, si tu vas commencer à conduire, t'es mieux de savoir où on est où en ce moment. Non, mais gros, j'ai un GPS. Non, non, non. Je vais mettre chez Paris, j'ai jamais trouvé partout ailleurs. T'as pas un central, ça va être là. Je demande de prendre mon champ pour faire bon, je vais avoir des poules à soi. Hein? Ouais, je vais aller chez Paris. Non, non, mais. Je vais tourner à gauche. Ouais. Je vais aller chez Paris, surtout que j'ai mon champ. Ça va être notre première sortie. On va débarquer un peu avant, là, je vais faire une vidéo. T'es comme à la tête à ça. C'est vrai que je suis avec. J'ai pas oublié. Non, mais je suis content que t'aies vu Alexis. Bon, on va retourner. On va retourner. Ben oui, c'est sûr. Oui, il a fait un bon prix. Là. Ça m'a rien coûté là, pour tout ce que j'ai pris. Là. Bon, écoute, pour être bananin, il m'a pris, il m'a fait payer un Jameson, deux d'hiver et un gin tonic. J'ai eu quatre Negroni, deux gin tonic. Ça, je les ai payés. Non. Non, il y en a juste mieux. Bro, j'ai collé. J'ai pris un ou deux gin. Ah, j'ai pris deux gin. J'ai collé non, ça m'a rien couché. J'ai collé 9 Jameson, 1 burger, 4 pintes. Non, j'ai collé les 6 premiers, t'en as fait payer un. Non, t'en as collé 3. Ouais. J'en ai collé 3. Non, moi j'ai. Ok. J'en ai recollé 3 après. Ouais. Ouais. C'est 6 Jameson, 1 burger, j'ai pris genre 4 pintes, ça m'a coûté 60. C'est fucked up là. Oh, toi oui, tout c'est gamme. Ouais, mais le burger était. Ouais, moi je pensais toujours ici un joke. Mais es-tu bon? Étais-tu bon là? Pour vrai, ouais, bro. Puis. Est-ce qu'il n'y a pas de viande? No joke, je pourrais pas dire que c'était pas de la viande qu'il y avait dedans. Ça goûtait à la viande, c'était bon. Ben tu sais, c'était bon. Ben je suis taqué là, c'est vrai. C'est chill là. Tu peux prendre la course, au pire on va débarquer au coin. Ouais. Ok. T'inquiète, il veut fumer une clope là, on va marcher un petit peu. Ici? Ben ouais, oui. Ouais, c'est correct. Ouais, prends la prochaine course.
trail traffic, hein? Yeah. Never ends. Is it construction season yet or no? Yeah. Still? Yeah. About so far.
Right. Okay. Yeah, that could be dangerous. What? Sorry. Are you doing a yoga video right now? I am having a little bit of a breakdown. Also, can I just say something? Like, I really have to talk to you about something, and this is going to be at a left field, so I think you're going to be happy about it. In the sense that it's not about the situation I found myself in, which we have no one to blame but myself. Like, AJ and Ayan are, like, really not in a good place. Don't say anything until she tells you. I'm pretty sure she's going to open up to you about it. And she, like, spoke about it for hours. It was super chill. Like, I was happy to help her, whatever. But she kept just, like, saying this thing over and over again. And she was like, she's not my Robin. She's not my Robin. Like, blah, blah, blah. And then she was just saying stuff and, like, me being me. I was like, oh, my God, I'm so lucky to have Robin. And I just want to say a few things. Thing one, I do really like having dinner parties. But I'm never going to have a ton of dinner parties. Number one, will we ever be able to do that? Before we leave, the two of us, probably not. But if we are, I would never have more than one a week, if that. And I would always ask you and make sure you were okay with it. And I think some of the time would be people that you really enjoy, like Steph or like Kevin and Christina or like people like that. That's the first thing I want to say. Second thing I want to say is like, okay, why are you confused by it? Because like she was just saying how like Ayan never respected that like she was an introvert and Ayan was an extrovert. No. Okay, so you are upset about it. I guess I mean more like, okay, so maybe I will have smaller ones. I know, I think I used to have, in Girard, I used to have giant dinner parties, and I feel like there's a difference. Like, it's like, now, like, Sue's not here. So I guess, yeah, the hair could come, but now it's different. The hair don't talk, you know what I mean? Or I used to have, like, okay, so I guess maybe I just had really shitty dinner parties. Fuck. I know, and that's what I'm trying to tell you is, like, if there isn't, and I'd always be so respectful, and it's like, I just like to have, like, guests and have, like, really cute stuff, but it's like, I'm not gonna have giant dinner parties, and, like, I know that, like, I will have some people stay over if they visit, but right now it's just Sam, and you quite like Sam, and I think he'll be really respectful, and, like, if he has to stay in my room, he can stay in my room. Like, I just really want you to know that I know, but you can also stay in my room. I don't know, how do you feel about it? We can talk about it. Like, then the other thing I want to say is, like, you know, like, she was just saying how, like, basically this whole drama happened because Ayan had gone on their couch and then Milka, like, kicked her out. And I was like, wait, what? She was like, yeah, Milka kicked her out. And I sat there and I just thought to myself, like, I could bring home any friend of mine. And Robin might have been so annoyed about what happened, but she would never kick the person out. Like, do you know, I didn't say that. I just thought it. Like, I was like, that would just never happen. Like, she would never do that no matter how angry she was. Do you know what I mean? And it just made me, like, so appreciative, and I just want to share that with you, that, like, I feel like, I don't know, like, I'm feeling a bit like maybe that time you came home from the walk with Levy, not about AJ, but just about hearing the shit that people go through, and me sitting here being like, I'd never go through that with my friend, you know what I mean? Like, I was like, we talk about a lot of shit, and we talk about everything, but I was like, it's so weird, because AJ was explaining her and Ayan, and I said to her, like, not every friendship is perfect, blah, blah, blah. And she said, yeah, but I've seen the way that you and Robin are, and, like, I know that you guys are really different, but you always just talk about things. But imagine being with a friend that you never talk about, and you just, like, grow to hate and hate and hate. Which was made me really sad, and I was just, like, in my head, I was like, I'm so lucky to have this friend who, like, I can go with, go and talk to, and who, like, even when, like, I want to talk shit out, like, you still give me the time of day, or, like, you come and approach me, or, like, even more so, like, if something really bad happened, like, if one day, like, I don't know, like, my brother came and Carl was there, and they just royally pissed you off, like, you would never act irrationally, you know what I mean? Like, you'd be angry, and you'd talk to me about it, but you'd never act like an 18-year-old, like, do you know what I mean? And I was like, I'm so lucky that I didn't say any of this to AJ, but I was just thinking it in my head the entire time. And so I just wanted to say that. And then she said another thing, and she was like, I feel like I didn't choose to be friends with Ayan.
became friends because we were forced. And I said, I chose to be friends with Robin, but Robin and I grew up and we're very different people. But the difference is we have both chosen to work on our friendship so that we're always close. And I was like, that's what makes a friend, because sometimes like feel like it's not worth it. Example, I'm a brown. Like, you know what I mean? And I was trying to explain that to her, and I was like, as much as like maybe there's other friends that I like, I share the same experiences with, I'm like, I will never have the same connection that I have with Robin. So I was like, it's about kind of like really working on it, which it kind of sounds like AJ doesn't want to do, but it also sounds like Ian's low-key lost the plot, which I also said when I went through a really hard time mentally, like I lost the plot, and like I'm sure that Robin took more space with for me, and I'm sure I was far more difficult to talk to, not like I am now. Like, do you know what I mean? Are you doing yoga right now? I'm not upset, just asking. Okay. Anyway, I feel like you're not into this because you had to be there, but I just wanted to like express that to you and say that I'm very grateful. Right, and AJ and I kept calling in. No, I get it. No, that's okay. I'm sorry. I think I just called you because I'm super nervous about this and don't know what to do, but 100% okay. Good news, Australia, it is like noon. So I have other people I can call, and I completely get that. So, yeah. All good. I'm sorry. I understand. You were having your time. Also. No, I think it's more just like I wasn't, like I'm not feeling good about it, but I'll be okay. Like I'll be fine. I think. Yeah, I think I like low-key, like, not, like I think I did make it happen, but I think I over, yeah. But anyway, and I did want to tell you that.
Lots of traffic. Oh, that sucks. Yeah. Because they started construction again, right? On all the highways? Actually, right now, it this street is low traffic, but half an hour ago, it's like a block. Yeah, because of the game, huh? Yeah. I tried to order an Uber half an hour ago, and it said it was going to charge like $60. Oh. It was so high. It's like, oh my God. But then I remembered it was the game. So it was...
Thank you. Have a good night. Thank you. Bye.